Salut à tous, je vous retrouve pour parler de nutrition aujourd'hui. C'est la première fois sur la chaîne que je parle de nutrition. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu sur des vidéos post ou pré petits défis, que ce soit là typiquement quand j'étais sur la TDS, ce genre de choses, je vous ai un petit peu parlé de ma stratégie d'alimentation. Souvent ça a donné lieu à pas mal de questions sur les produits typiquement que je prenais, qu'est-ce que je prenais, que ce soit pendant la compétition, hors des compétitions aussi, au quotidien. Donc voilà, je voulais faire une vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire, c'était le bon moment je pense pour la faire, donc on est parti pour discuter de tout ça. Avant toute chose, la vidéo va être vraiment basée sur ce que je prends pendant l'effort, peut-être un petit peu avant, un petit peu après, mais surtout pendant l'effort et pas au quotidien. Je vais pas vous parler d'alimentation au quotidien, j'ai pas du tout les connaissances hein, pour parler de ça, ni la légitimité. Je m'intéresse évidemment, mais d'une part, je suis pas du tout un exemple, hein. Je suis vraiment, vraiment pas un exemple de ce point de vue-là. J'ai juste pas les connaissances suffisantes pour vous faire un peu une revue de l'état des connaissances aujourd'hui, d'autant qu'il y a énormément de choses, c'est toujours très dynamique, il y a plein d'études qui sortent tout le temps sur la question, donc ça va pas du tout être l'objet de la vidéo, et je pense que de toute façon ça vous intéresserait pas vraiment que je développe tout ça. Pourquoi c'est le bon moment aussi, je pense, de faire cette vidéo? C'est parce que bah là, je suis en train de préparer 2022. En 2022, je vais mettre pas mal de dossards, j'espère. Je vais aussi partir sur pas mal de petits projets personnels. En tout cas, il y aura pas mal de choses. Et forcément, je pense de plus en plus à l'alimentation. Ça fait quelques mois maintenant hein, que je pense de plus en plus à l'alimentation. J'essaie, c'était vraiment un gros problème chez moi. Et c'est dès lors qu'on passe beaucoup de temps dehors, les efforts qui sont de plus en plus longs, bah, c'est un élément qui devient de plus en plus crucial. Plus on va être sur des distances longues, plus l'alimentation va avoir un impact sur la performance. Donc j'essaie vraiment de m'y coller de plus en plus, de m'entraîner de plus en plus à l'entraînement, à manger aussi, que ce soit pendant les intenses, les sorties longues, essayer de faire des tests. Donc ça fait maintenant quelques mois que j'essaie de plus en plus travailler la question, et ça va être très crucial pour tout ce qui va m'arriver en 2022. Donc là maintenant j'ai un peu plus de recul, j'ai fait pas mal de tests avec plein de produits. Donc je peux vous donner un avis un peu plus précis. L'autre chose, c'est que je vais travailler maintenant avec un revendeur de produits énergétiques, je ne sais pas si vous le connaissez, s'appelle Lyophilisé & Co, qui propose, comme son nom l'indique, des lyophilisés. Donc on les voit beaucoup typiquement sur Marathon des Sables, ce genre de choses. Souvent, ils sponsorisent des athlètes qui font ce genre de course par étape. Mais ils ont aussi un catalogue tout simplement immense, énorme, sur tout ce qui est produits énergétiques, que ce soit boisson, que ce soit bar, gel, tout ce genre de choses. Ils ont vraiment quasiment tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, en tout cas sur le marché francophone. Et forcément, c'est super intéressant. Donc voilà, je vais commencer à travailler avec eux. Ça va me permettre, moi, de toutes mes petites aventures, d'avoir leur soutien aussi sur ces petits projets. Et puis aussi vous faire profiter de peut-être des petites réductions, ce genre de choses que je vais essayer de plus en plus mettre en place pour vous faire un peu profiter aussi de ma visibilité. Et que si ça peut vous arranger aussi, c'est tout le monde est gagnant. Je voulais faire un petit point d'abord de l'état des connaissances. Alors je vous disais que j'allais pas en parler forcément, mais je voulais juste vous donner quelques éléments. Et en introduction de cette partie, je trouve ce qui est super important à rappeler dès lors qu'on parle de nutrition, ça va être que le plus important peut-être, c'est se connaître avant de vraiment connaître toutes les théories en la matière. Pourquoi ? Parce que je pense que la nutrition, c'est vraiment le point crucial sur lequel on va être vraiment très différent l'un de l'autre. Et c'est important de garder ça en tête parce que en fait, il y a des grandes vérités peut-être, il y a des grands principes à savoir certainement. Maintenant, le plus important, c'est surtout de se connaître et de tester les choses qui nous conviennent. Une fois que j'ai dit ça, il y a quand même des grands principes à savoir. Et de manière générale, aujourd'hui, on va beaucoup se baser sur l'index glycémique des aliments pour un petit peu regarder ce qu'on va prendre en fonction du type d'effort. Globalement, ce qu'il faut retenir, je pense, moi c'est en tout cas ce que je retiens, c'est un petit peu là-dessus que je base un petit peu mes stratégies d'alimentation, même si parfois je fais aussi des petits écarts à cette grande règle, c'est que globalement, plus l'effort va être long, plus on va avoir envie de privilégier des index glycémiques bas, des aliments avec des index glycémiques bas. Pourquoi ? Parce que justement, ces aliments qui ont des index glycémiques bas vont faire moins varier le taux de glycémie dans le sang. Donc on va avoir moins ce genre de pic et derrière des rechutes en fait. Hein. Donc des pics de glycémie, des rechutes, et c'est là qu'on est en hypoglycémie, on va avoir cette sensation de ne pas avoir d'énergie. Et typiquement, ça nous arrive dans une montée de 1000 mètres de dénivelé par exemple, imaginez. Là on est complètement collé et là ça peut être vite un calvaire. Donc plus l'effort va être long, plus on va vouloir un peu lisser cette glycémie et donc privilégier des aliments avec des index glycémiques bas. A l'inverse, quand on va être sur des efforts courts, on va pouvoir se permettre de prendre des aliments avec des index glycémiques hauts et qui vont permettre de peut-être au corps de réagir plus vite à une prise de calories, une prise d'énergie, et donc de pouvoir l'utiliser de façon plus simple. Alors là, évidemment, je fais des raccourcis quand même énormes, hein, mais globalement, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Plus on va faire des efforts courts,
plus on va pouvoir se permettre de prendre des index glycémiques hauts. Et d'ailleurs, ça peut être vraiment un intérêt de le faire. Et plus on va être sur des distances longues, plus on va privilégier des index glycémiques bas. Une fois que j'ai exposé cette théorie, il y a évidemment pas mal de contre-exemples à cela. Hein, et de plus en plus, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des contre-exemples à cela. Je me souviens notamment de Ludo Pommeret, il y a quelques années, qui partait sur le Grand Raid, qui avait mis une photo sur les réseaux sociaux d'une table remplie de gel. Alors voilà, des gels, on peut se dire, ben voilà, index glycémique très élevé. Forcément, est-ce que c'est la meilleure chose quand on va partir sur un grand raid de 170 km, 160 km, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Pourtant, lui, globalement, il avait toujours fait ça et ça fonctionnait plutôt bien chez lui. Là, je parle pas de l'aspect santé, parce que d'un point de vue santé, effectivement, on peut débattre de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Moi, j'avais lu des commentaires un petit peu de ce point de vue-là de spécialistes qui expliquaient que même si ça fonctionnait d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la santé, c'était pas forcément bon. Donc voilà, je vais pas rentrer dans tous ces débats un peu plus complexes, mais en tout cas, d'un point de vue purement énergétique et de l'efficacité, typiquement chez lui, ça a fonctionné, alors que sur le papier, et si on s'en tient à la théorie, peut-être pas forcément ce qu'il faudrait faire. Autre exemple, beaucoup plus récent, Kylian Jornet sur l'Ultra Pyrénéou, qui est parti avec que des produits de son partenaire Morten, avec qui il travaille, dont je vais reparler dans la vidéo. Et voilà, il a fait un peu plus de 10 heures d'effort qu'avec la boisson Morten, avec des gels Morten. Donc comme quoi, ça aussi, c'est des produits avec des index glycémiques assez élevés, même très élevés. Et pour autant, chez lui, visiblement, ça a très bien fonctionné. Tout à l'heure, je parlais qu'il fallait bien se connaître, c'était peut-être le plus important, et en fait, ça va être aussi là que ça va rentrer en jeu, parce que typiquement, quelqu'un qui va produire, qui est capable de produire pendant 10 heures comme Kylian, des efforts assez élevés, assez intenses, lui va peut-être pouvoir se permettre de plus aller chercher de l'énergie dans des glucides assez rapides, des glucides à index glycémique assez haut, alors que nous, sur le même type d'effort d'une dizaine d'heures, forcément, on ne peut pas tenir un rythme très très élevé, et donc on va pas avoir forcément être dans les mêmes filières énergétiques. Donc ça, c'est aussi important à garder en tête, pas vouloir se comparer à son voisin. Maintenant que j'ai posé un petit peu les bases théoriques, je voulais rentrer un petit peu dans ma stratégie, qu'est-ce que je prends en fonction du type d'effort, et vous expliquer un petit peu les produits que moi je privilégie. Je vous parlais de Lyophilisé & Co. en introduction et du fait que j'allais travailler avec eux dans les mois qui viennent. Pourquoi, en fait, j'ai préféré privilégier Lyophilisé & Co. plutôt que des marques à proprement parler. J'ai eu pas mal de contacts avec des marques, hein, sans vous le cacher, ces dernières semaines, et qui m'ont proposé des choses pour travailler ensemble. Et en fait, moi, j'ai vraiment voulu privilégier un acteur comme Lyophilisé & Co. parce que ils ont justement, ce que je vous le disais, un choix qui est immense. Et je crois que là, c'est un point super important que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, c'est la diversité. Je pense que dans la nutrition sportive, quand on va être sur des efforts, et notamment plus on va allonger les efforts, ce qui me semble super important, en tout cas chez moi, c'est de diversifier le plus possible ce que je vais manger. Ça, c'est un élément essentiel. Et en fait, parfois, quand on va se contenter d'une marque, je trouve qu'on réduit le champ des possibles et parfois on va plus vite se lasser de choses qu'on va prendre, qu'on va ingurgiter pendant l'effort. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant pour moi de travailler avec Lyophilisé & Co. plutôt qu'avec une marque, c'est que ça me permet d'avoir une diversité beaucoup plus importante. Maintenant que j'ai dit ça, je vais un petit peu vous expliquer comment je sépare un peu ma stratégie en fonction de l'effort. En fait, je sépare entre les efforts du 0 à 4-5 heures et les efforts de 5 heures et plus. Pour les efforts de 0 à 4-5 heures, d'abord, je vais clairement privilégier une seule marque, moi vraiment. Ça va être la marque Morten, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, peut-être il y a presque un an maintenant. Je vous laisse aller la voir si vous voulez plus de détails. Je vous en ai déjà reparlé aussi, hein, après, à propos de la TDS. Et donc, moi, sur ces efforts de 0 à 4-5 heures, je vais vraiment privilégier les produits Morten, que ce soit les gels principalement, vraiment principalement les gels, mais aussi la boisson qui marche chez moi très 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 bien. Morten, la particularité, c'est que c'est des produits qui sont très très riches en glucides, hein. Il y a une quantité de glucides très très importante pour 100 grammes de produits, beaucoup plus importante, hein, que chez la majorité des autres marques, et pour autant ça se digère très bien. En tout cas, c'est un peu pour ça qu'ils ont basé toute leur stratégie de marketing et de communication. Le fait est que, en tout cas, chez moi, ça se vérifie, donc je peux, moi, vraiment que vous conseiller ce genre de produit-là. Et typiquement, sur la montée du Nid d'Aigle cette année, également la Frison Roche, j'avais que ces produits Morten avec moi. Sur la TDS, je les ai également pris. Je vous disais que je pouvais faire aussi un petit peu des écarts à cette théorie du index glycémique haut pour des efforts plutôt courts et plutôt bas pour des efforts plutôt longs. Moi, sur un effort très long comme la TDS, je me suis aussi paré de ces gels, mais je vous en parle juste après. Voilà, finalement, pour des efforts de 0 à 4-5
5 heures, c'est assez simple chez moi. Je vais partir, si j'ai besoin de boisson, bah, avec la boisson Morten. Si j'ai besoin d'énergie, avec les gels Morten. Ça peut m'arriver de privilégier, plutôt que de prendre la boisson Morten plus des gels, prendre que les gels et des électrolytes de chez TAD, dont je vous ai aussi déjà parlé, que je trouve vraiment, vraiment top, que j'avais aussi sur la TDS. Ça peut être aussi un bon moyen de mixer un peu les deux et de garder quand même des apports en électrolytes, notamment si on est sur des périodes estivales où il peut faire très chaud, on transpire beaucoup, donc ça peut être vraiment intéressant de mixer un peu les deux. Maintenant, sur des efforts de 5 heures et plus, là on va englober notamment tout ce qui concerne l'ultra, hein, l'ultra distance de manière générale. Là, je vais avoir une stratégie quand même un peu plus différente parce que à titre personnel, je peux pas ingurgiter des gels comme Kylian peut le faire sur 10 heures. 10 heures, à force, je me lasse clairement. Pour autant, je vais les utiliser de façon un peu stratégique. D'abord, on va parler de ça. Typiquement, là, j'ai en main le gel sans caf que j'avais sur la TDS. Chez moi, c'est ce qui convient le mieux pour lutter contre le sommeil. C'est des gels qui sont enrichis en caféine, et clairement, moi qui avais des gros problèmes avec le sommeil pendant les efforts de nuit, j'ai trouvé avec ce gel Morten vraiment une solution pour m'aider à lutter contre le sommeil. Globalement, je vais aussi utiliser ces gels sur les efforts longs de plus de 5 heures à des moments un peu stratégiques. Typiquement, je sais, sur les 20 derniers kilomètres, ou sur une grosse montée qui m'attend, ce genre de choses-là, où je sais que je vais avoir besoin d'énergie assez rapidement et de façon assez importante, prendre un gel comme ça peut être stratégique. Maintenant, évidemment, je vais pas en prendre beaucoup sur l'effort global, parce que je vais avoir envie de pas trop jouer sur ma glycémie, mais ça peut être intéressant de façon un peu stratégique d'utiliser ce genre de produit aussi. Sur les efforts longs, j'essaye de privilégier quand même des aliments plutôt solides de manière générale. Donc là, on a tout un choix énorme, hein, en termes de barres. Moi, c'est vrai que je suis assez fan de Clif. Clif, c'est quand même des produits qui sont aussi avec des indices glycémiques assez hauts, hein, donc faut aussi quand même faire attention. Malgré tout, c'est des produits quand même plaisir, et là c'est un élément important à mettre en avant, je pense, sur ces efforts longs. Faut pas oublier le plaisir de manger, et clairement, sortir une Clif, ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est très important, parce qu'en fait, à la fin, au bout du compte, on peut parler d'index glycémique, etc., mais ce qui compte, c'est quand même d'ingurgiter des calories, de prendre de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Si on n'a plus envie de manger, même si on a fait attention à ce qu'on prenait des bons produits, etc., en fait, à la fin, on n'avance plus. Donc c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien toujours avoir des Clif avec moi sur ce genre d'effort long, parce que je sais que ça va toujours bien passer, que ça va être un petit peu un produit plaisir. J'ai également, là, je teste depuis plus récemment les produits de chez Chimpanzé. C'est une marque vraiment concurrente, assez dans le même état d'esprit que Clif, que je trouve top aussi, hein, vraiment top. Je suis obligé également de citer Baou qui maintenant, Baou, hein, j'ai plus besoin de parler de la marque, qui sont imposés vraiment sur le marché. Et c'est vrai que eux, pour le coup, ils ont basé toute leur stratégie sur justement essayer de faire des produits avec des index glycémiques le plus bas possible, permettant d'avoir une énergie un peu constante, diffuse, et pas avoir des gros pics. Donc si vous êtes amateur des goûts, je sais que ça plaît à certains, beaucoup moins à d'autres. Faut peut-être essayer aussi Baou, ça peut être vraiment intéressant aussi comme produit. Moi, j'ai tendance quand même à vous dire de vous méfier, parce que je trouve que c'est quand même c'est quand même des petites portions, donc faut quand même en prendre un certain nombre pour avoir un certain effet d'un point de vue énergétique. C'est un peu le défaut, moi, que je trouve sur ces produits-là. En 2022, je vais essayer de plus en plus aller vers un autre type d'aliment qui est aussi très très consommé, hein, notamment sur Ultra, ça va être les compotes. Alors là, j'ai une compote Baou entre les mains, même défaut que les barres. Je les trouve très petites, donc faut en prendre un certain nombre, et ça peut vite coûter cher. Mais en tout cas, je trouve que la compote a un vrai intérêt, c'est que ça se prend très facilement, et on a rarement du mal à prendre une compote, même quand le reste passe pas. Souvent, la compote, c'est la dernière chose qui passe, donc c'est vraiment intéressant. Si on trouve des compotes qui sont bien équilibrées d'un point de vue énergétique, ça peut être aussi top. Là, j'ai la compote Baou entre les mains, mais je fais une petite mention sur toute petite marque française qui s'appelle Fort Ultra, que j'avais découvert à lutter comme l'année dernière, que je trouve vraiment top, et c'est que des purées de légumes, que des produits bio, que des légumes français même, donc je trouve que la démarche est super intéressante. Les produits sont vraiment super bons, donc ça peut être aussi une très bonne solution. Enfin, j'ai envie de faire une mention sur les produits enrichis en protéines. Là, j'ai une barre typiquement de chez Chimpanzé, c'est des barres qui sont un peu enrichies en protéines. Je sais que Baou vient de sortir une barre à l'abricot aussi enrichie en protéines. Je sais que Clif aussi fait des barres enrichies en protéines. Tous ces produits enrichis en protéines, on s'aperçoit de plus en plus de tout l'intérêt qu'ont les protéines pendant l'effort. Je vous mettrai un lien d'un article de chez Baou d'ailleurs,
qui développe tout ça avec Benoît Nave qui développe d'un point de vue nutritionnel qu'est-ce que c'est, quel est l'intérêt de prendre de plus en plus de protéines pendant l'effort. Ça peut être aussi un vrai complément intéressant d'aller sur ce genre de produits enrichis en protéines. On parle, là je parle que de produits énergétiques, mais on peut parler aussi de vrais repas, de vraies choses non transformées, hein, j'ai envie de dire, ça peut être aussi très, très intéressant. Je pense à François Laine qui prend de la viande dégrisante, notamment là on l'avait vu prendre ça sur l'UTMB au Ravito, ce genre de produit-là aussi, un peu salé, riche en protéines, ça peut être aussi vraiment intéressant à ne pas négliger vraiment. Maintenant, je vais parler rapidement de boissons. J'en ai parlé un petit peu pour les efforts de 0 à 5 heures. Là, pour les boissons, pour l'effort d'ultra, moi, je vais vraiment privilégier la boisson TA, dont je vous ai déjà parlé aussi. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est super important de bien s'hydrater, hein, ça c'est clair et net, d'avoir aussi pas mal d'apports en électrolytes, en vitamines, etc., via la boisson. Et ce que je trouve, moi, difficile, que je trouvais difficile jusqu'à présent, c'était le fait que, bah, en fait, la boisson, souvent j'avais du mal à boire au bout d'un moment, ça me lassait de boire des boissons énergétiques que je trouvais souvent pas très bonnes. Et là, j'ai trouvé avec TA vraiment la boisson pour moi ultime. Clairement, moi je peux que vous conseiller cette boisson et, parce que je peux pas m'en lasser en fait. C'est une boisson, je sais que je vais prendre plaisir à la boire, quel que soit, même au bout de 20 heures, je vais continuer à avoir du plaisir à la boire. Donc ça, c'est crucial, je trouve, de trouver un produit comme ça. Bon, moi, en l'occurrence, c'est TA, mais peut-être que vous, ça sera un autre produit. Mais vraiment, trouver une boisson qui va pas vous lasser sur la longueur. Dernière petite mention sur les BCAA. Je sais que Benoît Nave les conseillait à ses athlètes qui suivaient pour toutes les périodes de nuit. Et ça permettait, selon lui, de lutter un petit peu contre le sommeil, si j'ai bien compris. Moi, j'ai pas fait le test à titre personnel, mais ça peut être aussi intéressant à savoir. Ça permet aussi un petit peu de limiter la casse musculaire. Je sais que c'est Xavier Thévenard hein, qui est vraiment adepte de la prise de BCA pendant l'effort, notamment pendant les efforts type UTMB. Donc voilà, moi à titre personnel, je n'ai jamais vraiment pris et mis des processus en place pour en prendre pendant des longs efforts, mais je pense que ça peut être aussi une piste à creuser. C'est comme ça que je conclue la vidéo, j'ai essayé de faire le tour, d'être le plus exhaustif possible sur tout ce que je prenais moi et un petit peu mes stratégies en fonction du type d'effort. Nous on se retrouve très vite pour de futures vidéos, j'ai plein de choses encore à vous parler avant les fêtes, donc on se retrouve très vite et d'ici là prenez soin de vous. Allez, ciao à tous!